C'est vers 15h cet après-midi que toutes les personnes en extérieur ont pu voir s'élever au pied du front de neige des flammes de 20 mètres dans le ciel à Valin. Le bar-restaurant Le Bananas était en feu. Aussitôt sur place, les pompiers arrivaient avec le fourgon-citerne et la grande échelle. 14 sapeurs pour maîtriser un feu ravageur qui s'est dans un premier temps étendu au premier étage et sous la toiture de ce chalet tout en bois. Il a fallu découper le toit pour accéder au foyer. Après quelques investigations au niveau des pièces qui n'ont pas été touchées, il semblerait que le feu soit parti d'une cheminée, un foyer ouvert en moins un, où les ouvriers ont mis, d'après leur dire, beaucoup de bois dedans. Ça a dû chauffer le conduit à fumée et ça a dû faire prendre un bouchon de suie ou quelque chose comme ça qui devait se trouver au niveau du premier étage, quoi. Au fait du toit, au niveau de la cheminée. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé, il y avait toutes ces flammes qui sortaient sur le côté du fait du toit et que le rez-de-chaussée, le moins un n'était pas touché. Ça a mobilisé beaucoup d'hommes, hein, chez les pompiers? Ça a mobilisé une grande échelle de tine, parce que comme tu vois, il y a encore du travail dessus, parce que comme ce sont des toits qui sont faits avec des caissons, on appelle ça des caissons, il y a un sous-toit, des caissons et un toit au-dessus. Le feu est à l'intérieur et pour la protection et l'étanchéité pour le froid, il y a à l'intérieur du pack s'allumant, c'est un papier goudronné qui est collé avec du goudron. Donc ça brûle tout le long et il faut qu'on dégarnisse tout le haut du toit pour pouvoir devenir maître du feu, quoi, sinon on n'y arrivera pas. Les dégâts sont importants? Les dégâts sont très importants et en plus on est obligé de refroidir beaucoup avec beaucoup d'eau, parce que tout compte fait, il faut qu'on refroidisse. Si on ne refroidit pas, la température va se réélever et le toit va se réembraser. Le feu est là, il couve, il faut l'empêcher de se développer, et pendant qu'on l'empêche de se développer, ça nous permet de pouvoir enlever tout cet eau. Ce soir, les pompiers sont toujours sur le sinistre qui n'a pas fait de victimes. Ils resteront une bonne partie de la nuit afin d'éteindre complètement ce feu. Le chalet est quant à lui en grande partie détruit.